Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir, bonjour. J'espère que vous vous portez tous et tous très très bien. Nouvelle lune du 8 avril, il me semble de souvenir, de mémoire, si ma mémoire est bonne. Nouvelle lune, en tout cas c'est la nouvelle lune du mois d'avril qui arrive. Je vais zoomer au niveau de la mission de vie d'une personne. Je partage l'écrit mission de vie pour cette nouvelle lune. Donc je zoome au niveau de la mission de vie d'une personne. C'est du général, vous faites bien preuve de discernement. Tous les messages ne peuvent pas vous parler, c'est normal. J'espère que vous vous portez tous et tous très très bien. On prend le précieux conseil, message, encouragement pour dans votre mission de vie. Dans cette nouvelle lune, l'encouragement avec celui-ci. Et ensuite je partage l'écrit. Alors on les découvre, il y en a deux messages. Alors... Tirez le meilleur de chaque situation. Donc là, lié peut-être à votre mission de vie de tirer le meilleur de chaque situation, de ce que vous pouvez vivre actuellement aussi. C'est possible. Durant cette nouvelle lune, de tirer le meilleur de chaque situation, de tirer le positif, le meilleur de chaque situation, de ce que vous viviez peut-être en ce moment même aussi. Ça peut être dans un ou plusieurs domaines de votre vie. Et la délicatesse est la voie de la paix. Donc là... La délicatesse, c'est la voie de la paix. Tout ce qui est délicatesse est paix. Faut être... Dans cette nouvelle lune, on vous recommande aussi d'être dans la délicatesse, d'être dans la voie de la paix, de vous détendre aussi. Hein. Et aider les autres, c'est s'aider soi-même. Donc dans votre mission de vie, aider les autres, c'est s'aider aussi vous, d'aider les autres. D'aider les autres, ça vous aide aussi. Allez. Un message avec celui-ci pour cette nouvelle lune, mission de vie. La paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. Donc là, vous allez recevoir une vague de paix. Il y a deux fois le mot paix, donc il va y avoir une voix. Vous allez être inondé de paix. De paix, de tranquillité, dans votre mission de vie, de protection aussi, de paix, de tranquillité. Continuez encore plus d'être dans la délicatesse, d'être dans la voie de la paix, de continuer aussi votre mission de vie, d'être dans la délicatesse pour vous, pour les autres, et d'être dans la voie de la paix. La voie de la paix, soit avec vous, la paix va être avec vous dans cette nouvelle lune. Sur votre mission de vie, il y a de la protection aussi, et tirez aussi le meilleur de chaque situation. Allez, je partage. Alors, pour moi, c'est possible que... Alors, je peux avoir pour moi, c'est possible pour une personne... Alors, je zoome au niveau de la mission de vie, hein, et je partage tout ce que je peux partager avec vous. Donc, mission de vie, nouvelle lune du 8. Je peux avoir votre mission de vie qui va littéralement décoller. Donc là, pour une personne, pour moi, votre mission de vie va littéralement décoller. J'ai une reprise d'envol après beaucoup de blocages. Donc, sur votre situation, vous avez peut-être eu beaucoup de blocages. Mais là, il va y avoir une reprise d'envol. Et votre mission de vie va littéralement décoller dans cette nouvelle lune. Vous avez peut-être eu beaucoup de blocages. Vous avez peut-être eu aussi un immense gel. Alors, ça peut être visible, ça peut être invisible. J'ai une fin de gel sur la situation, sur votre mission de vie, il y a une fin de gel. Et vous allez vous envoler. Vous allez vous envoler sur votre mission de vie. Sur votre mission de vie, vous allez vous envoler, vous allez décoller sur votre mission de vie, mais aussi ça va faire décoller tous vos autres domaines de vie aussi. Hein.
Donc vous allez décoller, vous allez permettre aussi aux autres aussi sur votre mission de vie de pouvoir décoller aussi. Là, votre mission de vie va littéralement décoller et pour moi, vous allez emmener aussi à toutes les personnes qui se trouvent sur votre mission de vie vont décoller avec vous aussi, vont littéralement décoller aussi, hein. Là, c'est un envol pour vous sur votre mission de vie, mais aussi pour les autres. Peut-être que là, sur votre mission de vie, vous avez eu beaucoup de blocages. Alors, ça peut être un immense gel aussi. Alors, le gel, ça peut être visible, invisible, c'est possible. En tout cas, j'ai une fin de gel, et vous allez vous envoler dans votre mission de vie, mais aussi dans tous vos domaines de vie. Et pour moi, votre envol, ce sera à vie. Et vous aurez la paix. Vous serez aussi dans la sécurité. Vous serez protégé. Voyez, il va y avoir un renouveau dans votre mission de vie. Un renouveau. Après beaucoup. Et vos énergies vont être renouvelées. Votre santé, votre bien-être. Dans tout, un renouveau aussi dans tous vos domaines de vie. Un renouveau dans votre mission de vie, des énergies renouvelées liées à votre mission de vie aussi. C'est peut-être après des prières, des souhaits de demande, des souhaits, selon vos croyances, prières, demandes, souhaits. Et peut-être que vous avez été bloqué dans vos actions, vous pouviez pas. Vous avez été ralenti, vous avez été bloqué dans votre mission de vie, visible, invisible. Mais là, tout bouge, vous allez pouvoir reprendre votre route. Votre mission de vie, votre voyage aussi. Et il y a un envol, vous êtes extrêmement protégé, un envol à vie sur votre situation. Voilà tout ce que je pouvais partager avec vous aujourd'hui. C'était un réel plaisir, bonheur pour moi. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires sur la vidéo, j'adore vous lire. À vous abonner si c'est toujours pas fait, que vous désirez le faire, c'est gratuit, je vous souhaite. Une merveilleuse nouvelle lune et je vous dis à très bientôt pour les nouvelles guidances, messages, etc., etc. À bientôt, très belle journée, soirée, nouvelle lune, à bientôt!